Les dirigeants du Barça voudraient pousser Jordi Alba vers la sortie. Mais de son côté, le joueur de 33 ans veut absolument rester en Catalogne au moins jusqu'en 2024. L'été dernier, de nombreuses rumeurs ont circulé sur l'effectif barcelonais. Jordi Alba faisait partie de ceux régulièrement annoncés sur le départ, ne faisant peut-être pas partie du nouveau projet de Xavi. Il a notamment été annoncé du côté de l'Ajax et de l'Inter. Mais il est finalement resté au club qu'il a rejoint en 2012. Après le mercato, les rumeurs sur son potentiel futur départ ont pourtant été relancées. Sport a affirmé que ses dirigeants avaient tenté de le faire partir en vain durant l'été. Mais qu'il n'avait pas abandonné cette idée. Une rupture de contrat cet hiver a même été évoquée. Les décideurs barcelonais semblent donc toujours vouloir pousser Alba vers la sortie. Mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille. Après avoir déjà assuré il y a quelques mois qu'il voulait terminer sa carrière au Barça, le latéral gauche s'est de nouveau exprimé sur son avenir. Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, il a réitéré son amour pour son club. Et il a assuré que son objectif était d'aller jusqu'au bout de son contrat actuel avec l'écurie catalane. Il a même affirmé qu'il accepterait de nouveau de baisser son salaire si cela lui permettait de rester. « Je veux rester à Barcelone et aller au bout de mon contrat jusqu'en 2024, c'est ma priorité. Je baisserai encore mon salaire si on me le demandait, je me sens bien, et le jour où je sens que je ne peux plus défendre un club comme le Barça, je serai le premier à partir. » S'il souhaite de nouveau le pousser vers la sortie l'été prochain, les dirigeants barcelonais vont donc avoir encore bien du mal à le faire. Mais ils pourront se montrer heureux qu'Alba accepte de baisser ses émoluments pour rester. On verra s'il tente malgré tout de le convaincre de s'en aller. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne.